remercier les familles Rochon et Ramos qui, dans le souvenir de leurs parents, M. et Mme André de Ribrol, nous accueillent à Ravel, une maison de famille et, je dois dire, l'un des plus beaux éléments de notre patrimoine privé du Puy de Dôme. Quelques mots pour attirer votre attention sur ce que firent, au cours des siècles, les différents propriétaires de Ravel. Tout d'abord, Pierre Flotte, chancelier du roi Philippe IV le Bel. C'est à lui que nous devons la salle des états généraux de la noblesse d'Auvergne. Salle où vous remarquerez, lors de votre visite, des peintures murales représentant une des premières frises héraldiques de France et des médaillons en bois historiés et quadrilobés datant du XIIIe siècle. Ils sont d'un intérêt historique remarquable. Puis, au XVIIe et XVIIIe siècle, la famille d'Estaing, et principalement l'amiral, arrivent à Ravel. De cette époque datent les transformations et décorations les plus importantes. Les appartements du premier étage furent décorés de façon très raffinée, parquets à la Versailles, boiseries, stucs de la cour, mobilier et évidemment le pavement en terre cuite de la salle des écussons dont les restaurations seront effectuées grâce à vous. Au XIXe siècle, Charles de Ribrol-Beaucène, mon ancêtre, achète Ravel et le transforme également en créant une manufacture de poterie. Idée intéressante car elle reprend une tradition ancienne et très réputée de la région de Lezoux, spécialisée dans la fabrication de sigillés et exportant dans le monde entier. Au XXe siècle, et plus particulièrement mes parents, firent beaucoup pour Ravel. Conscients de la richesse culturelle dont ils étaient dépositaires, papa, André de Ribrol, fait classer le château monument historique en 1958 et décide de l'ouvrir au public afin de faire partager ce patrimoine. Aidé par maman, qui ajoutait sa touche féminine en restaurant le mobilier, choisissant rideaux et tissus, entretenant amoureusement les livres et égayant les appartements de ses jolis bouquets. Ils consacrèrent leur vie à Ravel et surent nous transmettre, à ma sœur et moi-même, leur passion. Les soirées où papa nous montrait et lisait les parchemins contenus dans les archives, ou bien maman, suscitant notre intérêt dans les différentes étapes de la restauration d'un tableau, sont des souvenirs inoubliables. Enfin, nous, me direz-vous, qu'avez-vous fait ? Priorité fut donnée aux charpentes et toitures. Remplacement d'une grande partie des fenêtres. Travail ingrat et sans fin. En effet, Ravel viendrait de Revel, signifiant exposé au vent. Sceptiques nous étions, convaincus nous le fûmes en décembre dernier. En effet, l'ensemble de la toiture, soit un hectare environ, et trois tours furent très sévèrement endommagés, des fenêtres cassées, une partie de la balustrade effondrée. L'ensemble de la toiture est pratiquement remise en état, mais il reste encore de nombreux travaux de restauration qui devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Cela pour vous inciter à revenir l'année prochaine, pour revoir Ravel guéri de ses blessures et constater avec plaisir les restaurations intérieures entreprises grâce à votre initiative. Nous avons également restauré plusieurs chambres avec boiseries du 18e, tapissé de nombreux meubles et dernièrement ouvert au public la salle des états, possédant une des premières frises héraldiques de France grâce à la haute technicité de M. Morvan et de ses artisans, de la participation de mécènes américains et de la DRAC. Ce fut pour nous une grande joie de pouvoir restaurer un élément historique unique. Ce projet n'a vu le jour que grâce au courage, à l'opiniâtreté et aux multiples entretiens et rencontres de mon mari, que je tiens ici à remercier pour tout ce qu'il entreprend pour la mise en valeur des richesses de Ravel, dont beaucoup sont encore inexploitées. Si certains jours, nous sommes parfois las de ce travail de longue haleine, la ferveur renaît en regardant nos enfants,
rempli d'enthousiasme, d'idées novatrices et cette assurance ô combien importante de la continuité. Puis, grâce à la participation d'amis comme vous aujourd'hui, permettant la réalisation de restaurations visibles et attrayantes. C'est pourquoi, aujourd'hui, en choisissant Ravel, vous nous faites un immense plaisir et participez à notre enthousiasme dans cette œuvre de mise en valeur du patrimoine. Entreprise de continuité et de conservation, de génération en génération, avec toujours le même amour qu'au cours de cette journée, nous allons essayer de vous faire partager. Entretenu ici, c'est merveilleux. Oui. C'est, moi, je suis surpris. C'est une collection de belles choses que vous avez encore partout. Non, ça n'a pas été restauré. Merveilleux, merveux. C'est une belle terre. J'ai repensé à votre galerie, qu'on a déplacé l'autre jour à Rome, la galerie des cartes. Je me suis dit que c'était bizarre. C'est vraiment très attachant. Tout est simple, tout est naturel. Voilà, c'est pas. Ah oui. Il n'y a aucun chocolat. Aucun. Non, non, mais aucun. Non, non. Voilà, voilà. Et un bon jet. Alors, on vous remercie beaucoup. Je suis content d'être avec vous.